Hello, hello. Là, je me retrouve à l'aéroport. Me revoilà. Là, je suis à l'aéroport et je m'apprête à prendre Turkish Airlines pour partir en Tunisie. Mais avant ça, j'ai un stop de 22 heures en Turquie. Donc, j'ai hâte de vous amener avec moi et on va voir qu'est-ce que je pourrais faire pendant 22 heures. Donc, see you later! En attendant, regardez-moi cette ligne. Ah, il est beau l'aéroport. L'aéroport de Vancouver. Ça y est, je suis dans l'avion. Please keep your seatbelt fastened while you remain seated, and please be careful when opening the overhead. Là, je regardais tout le monde qui avait un passeport tunisien comme moi parce que c'est la première fois que je viens en Turquie. Là, j'ai trouvé une fille qui me suit sur Instagram et je suis hyper contente. Je lui ai dit ok, on va rester ensemble. Elle fait un escale comme moi. Donc, mon vol, il comprenait, vu que c'est un escale plus que 12 heures, donc j'avais un hôtel. Là, je suis venue ici pour prendre mon billet d'hôtel, genre la clé. Là, c'est la chambre qu'ils m'ont donnée. Je ne sais pas s'il y a une belle vue.
Il y a la télé. Des miroirs. Ok. Il n'y a pas une très belle vue. Là-bas, il y a pas mal de malls. Sinon, la chambre est cute. C'est dédié une seule place. Mais bon, c'est pas grave. Quoi d'autre? Je vais vous montrer la salle de bain. Toilette. C'est beau. Donc je vais prendre une petite douche et je vais aller au centre-ville. Je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il y a. Donc juste le temps que je prenne une douche et je repars. Là, je me suis préparée, je me suis maquillée et j'ai changé juste le pantalon. J'ai pas pris finalement ma douche. Je vais la prendre après quand je vais revenir. Et je vais essayer de sortir pour voir un petit peu la ville. I'm from Tunisia. Tunisia? Yeah. Tunisia. You know it? No. Many people here from Tunisia. It's here, Sultanahmet. Oh. Old city, very old city. It's beautiful. Ottoman Empire. Oh. Ok, shisha en anglais, en turkish, nargile. Yeah. Nargile. Wow. Hürrem Sultan, you know? No. Fatih Sultan Mehmet, wife. Uh-huh. Wife. Ah, this Hürrem is for Sultan. Her wife? Yes. Sultan, oh. Hamam. Hamam, you know? Yeah, I know Hamam. Oh, so cute. Check it out. This one, Hagia Sophia. Une église avant et là c'est devenu un mosquée. Yeah, we need to take the shoes out. It's amazing. Wow. And this one is here? Yes, 1 minute. Istanbul Bosporus Bridge. Yes. Okay. Bridge. It's your Europa. This is Asia. Oh, this one is Asia? Yes, bridge. And here is Europa. Poisson. On va partir en bas pour prendre des photos. En bas de ça.
Yes, please. Yeah. Yeah. With rice? Yeah. Yeah. Taksim Istiklal. Yeah, this one is shawarma. Shawarma. Yeah, it's the same thing. Geldin, tanıştığımıza memnun oldum. What's the name this? İnşallah seni bir daha bekliyoruz İstanbul'a. What? Tell me what's the name? Türkçe konuşuyorum. Türkçe? Yes. You're gonna show? What's me? What's me? What is me? What is name? Turkish name. Turkish? How we say how are you? How are you? Nasılsın? Nasılsın? Evet. Nasılsın? And I'm fine. İyiyim. 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 Teşekkürler. İyiyim. Teşekkürler. Tanıştığımıza memnun oldum. Nice to meet you. Nice to meet you is? Nice to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum. Tanıştığımıza memnun. Memnun. Oldum. Memnun oldum. Evet. Yes. Okay. And I love Turkey. Yes. Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Seviyorum. Evet. And bye bye. Bye bye. What's bye bye in Turkish? Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Hello, hello. Donc j'ai fini. Il est minuit et demi. J'ai pris un taxi et je voulais juste aller à Galata Place, je pense, un truc comme ça. Et là, il m'a dit, je parlais avec lui et tout, il m'a proposé de faire tout le tour, juste avec 450 dirhams turcs. Et là, je lui ai dit, ok, ça fait comme 50 dollars, 54 ou 55 dollars. Donc, il m'a fait tout le tour, je suis hyper contente. Et j'ai visité pas mal de places, on a mangé et c'est vraiment beau. Et je suis contente de mon... Moi, j'ai fait quelque chose, juste un escale. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai visité plein d'endroits. Et si vous voulez contacter cette personne-là, si vous passez par la Turquie, juste n'hésitez pas à me contacter et je vais vous donner ses coordonnées. J'ai son Instagram et j'ai même son numéro de téléphone. Donc, c'est une personne hyper gentille, hyper serviable. Et elle m'a fait vraiment visiter la Turquie. Et j'ai appris un petit peu de la langue turque. Et c'était quelque chose. Demain, je dois partir vers 11h. Le bus arrive vers 11h pour que j'aille à l'aéroport pour prendre mon avion. Donc, demain, je vais juste prendre le petit déj ici. Je vais pas aller nulle part. Parce que à chaque fois que je vais, je dois acheter alors que j'ai pas de place. Juste de mon hôtel jusqu'à Galata Place, il m'a dit c'est 120 dollars. Donc au lieu de payer 120 aller, 120 retour, donc 450 ça faisait du sens. Et il y avait le parking compris. Il m'a pris des photos, des belles photos. Quoi d'autre? Genre c'est tout, je pense, c'est ça. Oui, je vais mettre toutes les photos sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir les photos qu'il m'a pris. Bonjour, bonjour. Là, c'est la journée numéro 2.
J'ai bien dormi, j'ai dormi hier à 3h du matin. Coucou mon ami qui m'a parlé jusqu'à 3h du matin. Et là, je m'apprête à aller prendre mon petit déjeuner. Je suis hyper fatiguée. Là, il est 8h du matin. Donc, j'ai dormi à peine. Et that's it. Let's go. Sinon, près de l'hôtel, il y a beaucoup de stores où genre, tu peux faire du shopping. J'ai même pas envie de me changer. Donc, c'est ma tenue pour aller prendre mon petit déjeuner. Et j'ai changé de téléphone parce que mon téléphone est down. Et ici, les prix sont comme en Europe ou en Tunisie, alors que moi, j'ai les prix américaines. Let's go! C'était une personne malade. Honnêtement, il était hyper gentil. Il m'a partagé sa connexion. Il m'a pris beaucoup de belles photos. Vraiment très belles photos. Quoi d'autre? Il me faisait des remises. Genre, on partait à des places pour que j'achète des petits souvenirs pour ma famille. Et lui, genre, il négociait le prix pour moi. Il a pris tous mes vêtements, genre il prenait mes affaires. Genre c'était genre, je me suis dit, what, genre j'ai engagé une personne genre pour m'aider, alors que c'était même pas prévu, genre c'était vraiment pas prévu, c'est venu par hasard, c'est juste, on parlait et là il m'a proposé de faire le tour, moi j'ai dit oui bien sûr, vu le prix, c'est vraiment pas cher. Ok, $55 pour tout ça, c'était vraiment pas cher. Il y avait même une photo, je vais vous la mettre juste ici. Là, il passe devant un resto et c'était le resto de son ami et c'est un resto chicha. Donc là, il me dit, viens, viens, tu vas prendre une photo avec la chicha. Je lui ai dit, ok. Et là, j'ai pris la place du boss. Et là, après, il a demandé à son ami, qui est le boss, de s'asseoir juste derrière moi, comme quoi c'est mon garde du corps. Je me trouvais comme le film là de Mohamed ou un truc comme ça. Les Tunisiens, on regarde beaucoup de films turcs. Genre comme quand j'ai un garde du corps. Pour vrai, c'était très bon. Je suis heureuse que je suis tombée sur une personne comme ça et je lui ai dit grâce à toi, genre tu m'as fait mieux intégrer en Turquie.
tu as fait de mon voyage un voyage amazing. Parce que, genre, à part que je voulais voir la place, mais là, j'ai côtoyé le peuple. Donc, on a parlé et on parlait le langage des signes. Genre, lui, il comprenait rien de ce que je disais. Son anglais n'était pas très bon. Et moi, mon anglais est correct. Là, je lui donnais des cours d'anglais. Mais on parlait. Il disait Yani. Yani, c'est, ça veut dire. Et ça, c'est la même chose en tunisien. Et il y avait quelques mots arabes que je comprenais, mais pas toutes. Mais on parlait le langage international, le langage de Donc, explosif. Oui, j'ai pris du café du turc, du café turc. J'ai pris la pâtisserie. Il y avait un moment donné, genre, moi, je pouvais plus goûter. J'étais, ça y est, je pouvais plus. Genre, j'étais full. Et là, il goûtait à ma place. Il me disait, ok, ça c'est bon. Ok, ça c'est cher. Sarah, ne prends pas ça. Sarah, prends ça. Ça c'est bon. Donc, ouais, c'était. Je suis contente. Je suis vraiment contente. Bon, je vais continuer de manger. Et je ne pas. Pour aujourd'hui, on m'a conseillé de ne pas aller au centre-ville parce que le bus vient me prendre ici à 11h. Donc, je n'aurai pas assez de temps pour faire un aller-retour. Ça me prend une heure pour aller, une heure de retour même, voire plus. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trafic. Hier, genre, tout a été filmé genre vers minuit. 11h30, minuit, les gens ils dorment pas ici, c'est H24. Pour vrai, ils dorment pas du tout. Et quoi d'autre? Et le taxiste il me dit, Sarah, tu reviens après 2h, il y aura la même personne, il y aura autant de foule. Il me dit, it's amazing, genre les gens ils dorment pas ici, ils font rien. Il me faisait rire sans que je le comprenne. J'ai pris. Ça, je vais l'amener à une personne en Tunisie. Je vais vous raconter l'histoire. Et ça, c'est des halqoum, je pense. C'est des trucs sucrés, c'est comme des bonbons. Ça, c'est chambaya. Et j'ai repris ce pain-là qui est vraiment bon. En fait, ça, je vais l'amener au mari de ma soeur parce que quand ils sont partis en voyage de noces, à chaque fois, genre, je leur disais. Prenez quelques trucs du petit-déj, genre prenez des pommes et tout, comme ça quand vous allez faire des activités, au moins vous allez pouvoir les manger si vous avez faim. Et vous allez pouvoir économiser pour la bouffe. Donc c'est pour ça que je vais lui dire, ok, t'as vu, même moi j'en ai piqué. Hier il y avait un truc qui s'est passé un peu bizarre, genre avec le taxi, c'est que il y avait une fois, genre... on était sur le pont où les gens y pêchaient. Et là, pour me dire, ok, allez, viens, on va par là. Il m'a pris comme bratsi-bratsu. Moi, j'ai comme retiré ma main. J'ai trouvé ça bizarre. Mais genre, en Tunisie, il y a des personnes, il y a certaines personnes qui le font. Dès qu'ils sont à l'aise avec toi, genre, ils te prennent pour un ami. Et c'est correct pour eux, sans arrière-pensée. Mais oui, je trouvais ça un peu bizarre. Mais il était hyper galant. Ouais, à chaque fois il me cédait le passage. Et il y avait une fois la voiture elle allait morter, lui il m'a comme poussé, il prenait vraiment soin de moi. Genre ça j'ai aimé. Et prends soin de moi, c'est juste il fait gaffe à moi. Et quoi d'autre? Et il y avait une fois il m'a dit t'es vraiment belle. Genre, you are so beautiful, ou un truc comme ça. J'ai dit, ok, merci, merci. Et là, il m'a parlé de sa femme. Et là, je lui ai dit, ta femme aussi, elle est belle. Mais il m'a pas dit, genre, il y avait une fois, il m'a dit, j'aime ma fille et tout. Moi, je lui ai dit, oui, t'aimes ta femme aussi. Ta femme, tu l'aimes? Ah, non, c'était, il m'a dit, genre, j'aime pas trop les femmes turques ou un truc comme ça. Je dis, non, t'as ta femme turque, elle est vraiment belle, elle est vraiment bien. Oui, t'aimes pas les femmes turques, mais juste, sauf ta femme, tu l'aimes vraiment.
Donc là, j'ai fini de m'habiller. J'ai décidé de porter la couleur de mon pays, le rouge. Donc, j'ai mis un petit collier et I'm so cute. I'm Wonder Woman, Wonder Woman, Wonder Woman. L'ensemble, ça vient de Zara. Je vais vous mettre le truc. Et ça, c'est des chaussures de Aldo. Ce qui est bien, c'est que ici, ils sont en velours. Donc, ça fait pas mal parce que j'ai des problèmes de pied. Bref, ça aussi, ça, c'est dynamite. Donc, et mon petit sac. J'ai pas porté des accessoires genre trop bling bling à cause que mon sac, il fait le tout. Ah, waouh. Honnêtement, genre, j'adore. Je suis hyper contente. Bon. Bye. Bye bye. Tu as envie de t'installer? L'hôtel est vraiment top. Genre, j'ai adoré. Le service est excellent. Par contre, là, on est un peu en retard. Normalement, il est censé arriver vers 11h. Et là, il est arrivé à 11h30. Donc, j'espère que j'aurai le temps pour faire le tour de l'aéroport de la Turquie. Jusqu'à maintenant, je ne réalise pas que je vais partir en Tunisie. À chaque fois que je me rappelle que je vais partir en Tunisie, j'ai les larmes aux yeux. J'imagine la réaction de mes parents, de mes soeurs. Oh my god, genre, pour vrai, je suis trop excitée. J'ai tellement hâte de partir et de voir ma famille, de voir mon pays, parce que c'est quelque chose qui fait partie de moi. Donc, je suis super excitée. Je suis en Turquie et je trouve qu'ils conduisent vraiment weird par rapport au Canada. Je ne sais pas comment on peut trouver ça en Tunisie, mais à date c'est bizarre. J'ai pris l'habitude du Canada et des États-Unis. Regardez-moi cette ligne. Si je rate mon avion, je suis morte. Bon, j'espère que ça va bien aller. Il fait énormément chaud. Là, je suis encore en retard. Il me reste une heure pour le débarquage. Là, il y a un Chinois qui n'arrêtait pas de me draguer. Il m'a dit que je suis belle et quoi d'autre. Et il voulait avoir mon WhatsApp. Mais bon, j'ai dit non. Oh, je montre un petit peu. Parce que là, je suis en retard. Mais il y a toutes les morts. Waouh! Je dois aller, sinon après je retourne. Il y a Yves Saint Laurent, il y a Gucci, il y a Céline, il y a Louis Vuitton. What? Je suis morte, je suis arrivée pile poil. J'ai rien pu acheter, j'ai même pas pu faire des vidéos. Désolée mes amis qui m'ont demandé de quoi. Et je transpire, j'ai tout enlevé. J'ai enlevé toutes mes vêtements, je transpire pas mal. Bon, bref, bisous. Je me suis trompée de vol. Je croyais que c'était avec Tunis Air et c'était le même horaire. Et là, j'ai pris le truc pour m'amener parce que je peux plus, je peux même pas respirer. J'espère que je vais pas être en retard. Et j'espère que je vais pas rater mon bus. C'est de l'aventure, ce voyage. Je vous jure. Là, je suis en D et mon vol, c'est D. Vous imaginez? Je suis arrivée, le truc que j'ai pris là, le gars il me disait genre il voulait prendre 500 riels. Je lui ai dit t'es sérieux là, genre c'est trop cher. Finalement je lui ai donné 250 riels et il m'a accompagné jusqu'à mon truc. Et c'était dans un autre étage, genre où j'étais avec Tunis Air. Le vol de Tunis avec Tunis Air c'était D16. Et moi je suis à B6A et c'était même pas le même étage. Donc là je suis arrivée, j'ai pu, juste là il y a un free shop,
Donc j'ai pu acheter un truc qu'on m'a demandé. Mais désolée mon ami, j'ai pas pu t'acheter Mac. Plutôt désolée la maman de mon ami. Parce que il n'y a pas Mac ici. Bah, où est-ce que je suis, il n'y a pas Mac. Et j'ai pas le temps pour aller chercher et tout. Donc c'est tout, je suis fatiguée, je suis morte. Et j'ai hyper chaud. J'ai mis ça parce que j'ai plus de place. Mais bon, donc là, j'espère que vous avez aimé ce vlog. Et je vous dis bye bye. Et n'oubliez pas de voir mon vlog sur la Tunisie, que je vais sûrement l'appeler après 5 ans. Retour à la Tunisie après 5 ans. Donc bisous bisous. N'oubliez pas de vous abonner et de partager, de liker. Et si vous avez des questions, juste mettez-moi en commentaire. Bisous.